Ah, voilà, la dernière déco qui est mise. On va pouvoir allumer le sapin. Voilà. Ton téléphone est en train de sonner. Oui, allô? Oui, salut Christophe. Voilà, j'ai un petit souci. J'ai deux ouvriers qui sont malades. Ah, ben t'as pas de chance, toi, deux en une fois. Ben oui, deux, une fois avec la grippe qu'on a pour l'instant. Donc, est-ce que tu saurais venir avec un ouvrier à toi et un ouvrier à ma ferme pour ensiler? Ouais, j'ai rien de prévu aujourd'hui. Maintenant, faut voir parce que moi, justement, comme j'avais rien de prévu, j'ai mis Mike en congé. Mais je vais essayer de l'appeler. Il est fort disponible, donc ça devrait pas poser de problème. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je l'appelle et je te rappelle pour te dire quoi. Ça va? Ça va, d'accord, parce que moi j'ai un ouvrier qui doit arriver normalement. Donc j'attends de ses nouvelles. Voilà, donc j'attends de tes nouvelles pour savoir si tu sais avoir Mike et toi si vous savez venir à deux pour venir ensiler avec moi. Pas de soucis, bah écoute, j'appelle Mike tout de suite et je te rappelle d'ici 3-4 minutes quoi, ça va? Ça va, d'accord, j'attends ton coup de fil. Allez, à tout de suite. Allô, Mike? Allô, comment vas-tu? Ça va? Ah, moi ça va bien, écoute, j'ai Chris qui tient la ferme là, de l'autre côté du village, qui vient de me sonner, il y a deux de ses ouvriers qui sont malades, donc il demande si ça... Si on... 1, 2, 3, je vais y arriver, il fait froid, je vais pas... Si on s'allait donner un coup de main. Et c'est pour voir si tu serais disponible, quoi. Et pourquoi? Ah, ben c'est là tout de suite. Ok, je vais vous redonner, puis j'arrive. Ça va. Oh, tu t'es courtenu, toi. Et j'étais avec ma petite femme. Oh, ben ça va, j'ai pas besoin des détails, c'est gentil, merci. Ben écoute, y a pas de souci. Donc ne viens pas à notre ferme, hein. Tu vas à la ferme de Chris, de l'autre côté du village, ça va? Ok. Ah, ok, merci beaucoup. Allez, à tantôt alors, hein. Allez, ciao. Ciao, ciao. Allô, Chris? Oui. Chris, c'est Chris. c'est bon, hein, j'ai eu Mike. On va arriver, on se met en route. Ça va, j'attends, je vous attends à la ferme, à ma ferme alors. Ça va, pas de soucis. Moi, je démarre tout de suite, je suis déjà dans la voiture là. Oh, ben c'est bien, j'avais rien de prévu aujourd'hui. Ah ben ça tombe bien, il va vouloir sûrement nous dédommager. Je vais lui demander si on peut pas avoir deux ou trois bennes dans le silage. Ce sera pas mal, vu qu'on va bientôt recevoir les animaux. Ah il fait pas chaud aujourd'hui. Hein. Ah je vais peut-être pouvoir conduire sa nouvelle ensileuse comme ça. C'est pas mal. L'un dans l'autre. On va peut-être nous arranger ça. Oh, là Mike. Je crois qu'il s'est gouré de route. Faire une petite marche arrière. Hey Mike, tu t'es trompé de route, tu me suivrais pas là? Non, c'est toi qui t'es trompé de route. C'est moi? Pense pas, tu sais. Mais non, Mais ça c'est c'est chez toi. nous. C'est pas chez nous qu'on travaille aujourd'hui. Allez, suis-moi, Mike. Oh là là, Mike. Il est gentil, hein. Et il se trompe de route. Enfin, j'espère que c'est pas moi qui me trompe. Je vais jamais parler en plus. C'est toi qui te trompes, voilà. Ah, voilà la ferme de Chris. Je vais me garer là, j'espère que ça va pas l'embêter. Ça te dérange pas si je me gare ici? Va un peu plus loin si tu veux bien, comme ça on va savoir sortir avec les tracteurs si tu veux bien. Pas de Va là soucis. bas dans le fond si tu veux, mettre ton véhicule. On va essayer de pas griffer ma nouvelle voiture. Ah, ben voilà. Ah, ben Michael, c'est nickel. El Geek Belchou aussi. Clément. Ah là, Chris. Salut Christophe. Ça va?
Mike. Salut Chris, ça va? Ouais, ça va. Bah, j'ai deux ouvriers qui sont malades, hein, avec la grippe qui se passe pour le moment. Salut Clément. Ah, salut Clément, ouais, j'ai Arthur, ouais. Arthur et Olivier qui sont malades. Ah, flûte. Ah, les deux en même temps, t'es sûr que c'est pas le... Ils ont pas fait un barbecue hier, qu'ils ont pas exagéré? Oh non, non, avec le temps qu'on a eu, Bon, ben qu'est-ce qu'on doit faire? Vas-y, dis-nous, chef. On va aller ensiler le champ. Ouais, bah ok, on va te suivre. Hein. Je prends quoi? Tu peux prendre l'ensileux si tu veux. Elle est où? Tu l'as garée où? Elle est par ici. Suivez-moi. Et je prends le 14 ou un autre? Ah, tu peux prendre le 14 si tu veux. Ok. Et. Ça. Là-bas, c'est l'ensileuse. Ah ouais, je la vois. Oh, la nouvelle. J'étais justement en train de me dire en venant que j'aimerais bien l'essayer. Ah bah, tu vas pouvoir l'essayer comme ça. Ok. Dis, tant qu'on est tous les deux. Ah non, on n'est pas tous les deux. Et je prends le tracteur. Tu veux prendre le JCB, Mike? Ah, le JCB, à la limite, Mike, tu peux prendre le JCB qu'on a à notre ferme. Hein. Comme ça, à la limite, je vais pouvoir m'arranger avec Chris. À la limite, si tu veux bien prendre le nôtre, Mike, tu vas à notre ferme le rechercher. Je te paierai ton carburant, on te remettra du carburant à la ferme. Eh, tu pourrais me répondre, hein, Mike, merci. Oui, oui, d'accord. Allez, à tantôt, bisous. Bisous. Eh, il est tout troublé, il était avec sa femme, je l'ai fait revenir. Écoute, tant qu'on est tous les deux niveau paiement et tout ça, s'il y aurait moyen, plutôt que de me payer, de m'importer 2-3 bennes d'ensilage, que je vais justement recevoir mes animaux courant de la semaine prochaine, donc ça m'arrangerait bien, si tu veux bien. Ouais, y'a pas de soucis, on peut s'arranger comme ça. Voilà, comme ça, moi je paye Mike, t'as rien à nous payer, et moi je récupère 2-3 bennes d'ensilage, quoi. Ouais, tu nous montreras l'endroit où on doit aller décharger, y'a pas de soucis. Ben Clément, il connaît un peu ma ferme, il peut aller décharger aussi l'eau d'ensilage, quoi. Ça va, si tu sais juste lui dire, à la limite, on va aller lui dire maintenant. Ouais. Dis, tu marches bizarre, t'as encore mal ton dos, toi? Ah, ouais. Ouais. On vieillit, hein. Ah, ben on a plus 20 ans. Ouais. Bon, Clément, t'iras à la ferme à Christophe, décharger de l'ensilage. Ok, ça va? Ouais, ça va. 3-4 remorques. Ah, ben c'est gentil. T'en demandais pas tant, mais c'est gentil. Ou on remplit ton silo, c'est comme tu veux. Non, non, non. Au début, je vais n'acheter que 20 vaches, donc j'ai pas besoin de des tonnes et des tonnes, quoi. Avec 2-3 bennes, ce sera suffisant, tu sais. Ça va. Donc, tu seras chargé d'aller conduire 2-3 bennes à sa ferme, puis après. Ouais. On enverra les tracteurs au BGA. Ah ouais, t'as le contrat avec le BGA, toi? Ouais, ouais, moi j'ai un contrat avec le BGA. Ah, bah c'est ça que tu peux te permettre une nouvelle. Ah, bah c'est ça. Eh ben ça va, merci beaucoup. T'as la CB dans tes véhicules pour qu'on se parle? Non, normalement, ouais. Hein. Ah, ok, bon, ça va. Je vois dans quelle sorte elle fonctionne encore, normalement, ouais. Ouais, ouais. Ce sera plus simple pour se parler, ce sera plus amusant. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon, d'accord, là. Ok, ben moi je vais prendre ton nouveau jouet là, comme ça je vais la tester. Bon, moi je m'en vais sur le tracteur. Ça va? Allez. Ah ben, c'est moderne hein, tout ça. Oh là là. On va tester la CB. Allô, allô, on m'entend? Oui, j'attends. Ah ben oui, c'est vrai, t'as la CB dans ton véhicule toi. Ouais, moi aussi, c'est le même. Mike, t'as déjà la ferme, t'as déjà récupéré le JCB? En train d'arriver à la ferme. Ok, ça va. Ben, rappelle-moi avec la CB du JCB quand tu t'es mis en route. Ok. Ben, par contre, Clément, moi je vais te suivre parce que je sais pas c'est lesquels vos champs s'il est, donc... Ouais. Ah, ben, voilà le patron, je vais le suivre. Ouais. Bon, ben, je le suis, hein, Clément, ne me bourre pas dedans parce que ton patron va me disputer sinon. Oula, ben, c'est moi qui dis ça, c'est que un peu, c'est moi qui le fais. Pas de soucis. À droite. Attends, je vais. Ne bouge pas, je vais passer sous le côté. Je voudrais pas te la griffer. Ton nouveau joujou là. Ah oui. Après, tu ne voudrais plus jamais m'appeler. Pas de soucis. T'as
peut arriver à tout le monde. Ah ouais, mais vaut mieux éviter quand même. Ah oui. Bon, moi, je sais bien que si Mike me l'abîmerait à nouveau jouer comme ça, je serais pas content. Attends, je vais sortir juste voir si ma buis s'est dépliée. Ah, pec. Parce que je connais pas encore toutes tes commandes, donc... Pas de soucis. Bon, allez, hop. Désolé si je fais des conneries au début, mais je la connais pas encore, donc... Tu commences à gauche, à droite? À gauche. Par contre, si vous savez me dire quand vous êtes plein, comme ça... Ouais, ben, je te le dis par la CB, alors. Ah ouais, hein. Eh, ils sont souvent malades, tes deux gars, là. Non, non, mais pour l'instant, ici, dans la région, une épidémie de grippe, alors... Ouais, ouais. Ah, moi, j'ai un coriace, hein, mon petit Mike, là. Même à 46 000 degrés de fièvre, il travaille, hein, lui. Oh, et Clément, il n'y a pas de soucis non plus. C'est un bon ouvrier. Ah, ben, regarde, lève-la, mon Mike. Ah, ça va, t'as un vrai klaxon de tracteur, toi. Surtout en sileuse. Ah ouais, ça va. Parce que moi, j'ai un klaxon de 2 chevaux. Est-ce pour Mike, il y a quand même une benne crone en place si pour venir en siler avec nous. Ok. Ah, moi non, le seul plaisir que je me suis fait, c'est d'acheter mon JCB. Ça. Ouais, j'ai entendu parler, tu aimes bien les JCB. Oh. C'est confortable. Ouais, ben, ne te lâche pas trop dedans, hein, parce qu'on te connaît, toi. Parce que bizarrement, chaque fois que je le reprends après toi, il y a des odeurs. Hein. À mon avis, tu te lâches de temps en temps. Bon, ben, on va plus qu'à ramener les véhicules à la ferme. Ah, bah c'est gentil. Mike! Oui. Toi, ce que tu peux faire, c'est que tu ramènes le tracteur à notre ferme et t'as fini journée, t'inquiète pas, je le laverai et tout. Hein. Ok. Allez, une bonne journée à toi, Mike, et merci de. N'oublie pas de faire le plein de ta voiture à la ferme. Hein. Oui, oui. Comme ça, t'as pas fait tes kilomètres pour rien. Bah ça va, ça aurait été une journée coolos, hein, tranquille. Ah mais je vois que sur la droite ici, t'as encore un champ. Bah ça va aller vous autres deux ou tu le fais pas aujourd'hui? Ouais, je le fais pas aujourd'hui, tu sais. Déjà le champ là, il était déjà assez grand, alors... Ouais, ouais. Et au BGA, ils sont déjà au maximum, alors... Ah bah ça va. Je te rends pas la moisse batte parce que je sais pas si tu vas la laver ou quoi. Ouais, bah tu peux la mettre en place et sortir le matériel après à mon aise. Ok. Et parce que comme je vois que t'as mis tes faucheuses dans le fond, j'ai pas envie de les abîmer. Ah, oh, même tes faucheuses elles sont nouvelles, toi. J'ai renouvelé tout mon stock. Et t'as fait quoi de tes anciennes? Tu les as quoi ou tu les as déjà revendues? Ah, tout a été revendu au concessionnaire. Ah zut, sinon je te les aurais peut-être bien rachetées. Bah oui, faut en parler un peu vite. Hein, ah bah la prochaine fois, ça va être plus simple. Quand t'as quelque chose à vendre, t'appelles-moi et on ouais. S'arrange quoi. Ok, ça sera fait. Bon, ben moi c'est pas tout ça, mais je vais aller rejoindre madame. Bon, ben Clément, bah il remonte dans son tracteur là-dessus. Ah, excuse-moi. Bon, bah... Allez, je te serre la main, ce fut une très bonne journée, c'est super sympa. Merci. Quand tu passes près de la ferme, n'hésite pas à boire un coup, t'es le bienvenu, hein. Ça va? Ça va, merci. Allez, ouais. Salut Adé. De même. Salut. Bah je vais te dire au revoir, hein, Chris. Je vois que t'es encore sur ton tracteur. Là. Non, non, t'es encore sur ton tracteur, je te vois. Allez Chris, salut. Salut. Et merci beaucoup, hein.
Salut, hein. Ciao. Eh, hey, ne m'appelez plus, là, j'ai pas de CB, moi, dans ma voiture, hein. Ah, oh bah c'était une bonne journée, c'était bien chouette, ils sont sympas. Quand ils ont besoin d'un coup de main, j'espère qu'ils nous appelleront encore. Et si nous on a besoin d'un coup de main, ben, on verra s'ils répondent à l'appel. Salut les gars! Salut! Allez! Chouette bande de rigolo. Bon, je vais essayer de pas me perdre, moi. Pas fait comme tantôt. Ah non, ça c'est le champ qu'on vient d'aller faire. Oh, ma nouvelle voiture, je l'aime bien. Ça change de ma vieille Peugeot 206. On va essayer de pas croiser Mike en retournant. Ah, j'arrive, je vois mon petit sapin. Mon roi des forêts, nous des dieux. C'est ici qu'il faut faire attention de ne pas croiser Mike. Ah ben voilà, ce que... Ah non, il est à la ferme. Il me semble que je l'ai vu passer dans la cour. Ah ben oui, ça on va avec sa voiture. Ça va Mike, t'as fait le plein? Oui, oui. Ah ben ça va. En tout cas, un grand merci. Et tu diras merci à madame aussi hein, de t'avoir laissé partir. Allez, bonne journée. Ouais, à demain. Garer la voiture et aller voir comment est-ce qu'ils m'ont rangé l'ensilage, parce que ça me fait peur, ça. J'ai peur. Parce qu'il va falloir que je tasse tout. Je vais même courir un peu, ça va me faire du sport. Ah bah ça va, ils n'ont pas fait ça comme des cochons. Ok, ça va, super. Bon, maintenant il va falloir que j'aille me faire à manger parce que... Pas encore de madame, donc... Ça va venir, j'espère. Oh, je vais prendre une dernière petite bière, m'asseoir sur le banc, tant qu'il fait bon, on va profiter. Hein.